Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Vous savez, je ne voulais même pas répondre à ces gens-là parce qu'ils sont en train de errer. Que ce soit la dame qui ne sait même pas où elle va, elle se prostitue politiquement. Hier, c'était DMP. Et quoi, l'arc-en-ciel a fait quoi? C14, des ramassis de n'importe quoi. Personne ne sait même plus où ils vont, ces gens-là. Vous comprenez? S'il ne faut pas attention, nous sommes 91 députés. Nous allons déposer plainte contre cette femme-là, Adjamangou Brigitte, contre Jean-Pierre Fabre. Vous savez, je ne blague pas. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Il faut parler de ce que vous savez, de ce que vous maîtrisez. Ils n'ont aucun élément aujourd'hui pour essayer de révolter le peuple togolais contre les députés que nous sommes. Vous verrez dans les prochains jours, quand nous allons finir les études en commission, de quoi ils se retournent. Mais pour le moment, ils sont complètement à côté de leurs petits souliers troués venus du Liban pour un et pour l'autre. Vous savez, quand vous êtes une femme et vous errez avec les prêtres depuis Saint-Albert jusqu'à vous allez dans tous les sens. Il faut que ces gens-là fassent extrêmement attention parce que la récréation va être sonnée bientôt. Il faut arrêter ça. Il faut faire la politique au Togo. Vous n'avez aucune preuve pour accuser les députés qui veulent modifier la constitution pour amener le mandat à 7 ans. Mais ils sont malades. Ils sont malades. Nous avons fait une des plus grandes révisions constitutionnelles et institutionnelles qu'ils pouvaient faire à leur époque, au lieu d'aller crier à la plage avec moi. Donc moi, c'est pingouin là. Je vous ai dit que Fabre, c'est un fainéant. Et je le répète, Fabre, Jean-Pierre, c'est un fainéant. C'est le plus grand fainéant que j'ai jamais connu en politique. Et en tout, il a travaillé où ce type-là. Il va dans tous les sens, il est en train de errer. De la même manière, cette femme également. Vous avez vu comment elle va dans tous les sens. Ils sont en train de manipuler les consciences au Togo. S'ils ne peuvent pas aller aux élections, il faut faire attention. Ils font autrement et nous allons prendre acte qu'ils sont incapables désormais d'aller dans une élection qui se prépare. Je ne dis pas que l'élection sera... Ils disent que l'élection est viciée d'avance. Pourquoi ils vont? Quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi vous allez manger ça? Quelque chose est le contraire. Moi, je ne fais pas. Moi, je suis centré. Honorable, s'il vous plaît, y a-t-il pas une arrière-pensée dans cette histoire? Mais bien sûr, c'est la vie. Ça va de soi. Regarde comment ils tous, ils bondissent. Ils laissent le plus essentiel à côté. Il y a 2 jours, Fabre est sorti pour dire qu'on a rejeté 7 de ces listes. Que oui, que les gens qui leur ont fait les cartes. Nous-mêmes, on a vécu ça. Moi-même, les éléments de ce monsieur-là étaient à la CENI avec moi. Mais, les dossiers de mes candidats ont eu le même problème de numéro de carte d'électeur. Mais on ne peut pas... Au pied levé, nous avons remplacé des militants. Quand on vous dit de remplacer, vous refusez. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut profiter de ça. Moi, hein, ou bien vous êtes sûr de vous, vous allez dans une élection. Ou vous n'êtes pas sûr, n'allez pas. Parce que vous allez ramasser la gamelle. Fabre sait ce qu'il attend. C'est fini ça. Tromper les gens, manipuler les gens, jouer au grand boulanger. C'est terminé dans ce pays. Tout le monde, aujourd'hui, a ouvert les yeux. On ne peut plus manipuler les gens. Mais c'est à cause des gens comme Fabre et Adjamangou Brigitte que tous les jeunes ont peur de faire de la politique. Mais c'est noble faire de la politique. Mais les gens ont peur. Parce que les gens ne comprennent plus où ils vont. Ils sont déroutés. Ils sont complètement poussés vers des sentiers hein, où il n'y a pas de lendemain. On ne peut pas continuer avec ces gens-là. Fabre a 72 ans. À son âge, il n'est pas sage en rien du début jusqu'à la fin. C'est un imbécile heureux. Un imbécile heureux. Quand il a demandé appelé Boga et il a cru qu'il était quelque chose. Un imbécile comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, nous sommes en pleine session actuellement. Oui, nous étudions des tests constitutionnels. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez attendre. Ils auront la plus grosse honte de leur vie
ces gens-là. Mais ils sont malheureux. Je ne parle pas parce que je soutiens le gouvernement. Moi, je suis légaliste. Je dis, il ne faut pas coller mon nom à ça. Je refuse. Je suis député de la République togolaise. Moi, je réagis. Hey, je peux pousser les 90. On va porter plainte contre femme. Et cette femme-là, une rondelette comme ça, qui est par terre, et puis il faut qu'elle monte sur les tablettes qu'on appelle haut talon pour qu'elle s'exprime qu'elle aussi, elle est quelque chose. Il faut faire attention. Hein. Son mari, c'est l'ami de, personnel de Fonds Yazimé. Quand le monsieur lui amène des bijoux, elle ne demande pas où elle trouve ça. Regarde-moi des gens comme ça. Un philosophe va aller faire quoi, n'est-ce pas, à Géture? Regarde-moi des gens qui n'ont même pas de respect pour leur propre ventre et ils veulent donner des leçons aux autres. Il faut faire attention. On se connaît bien dans ce pays. Ou bien, il faut faire la politique, on ne fait pas. Tu ne peux pas aller aux élections. Ils demandent l'argent, mais ils sont tristes. Ils demandent l'argent pour faire les élections. C'est des gens qui sont tristes. Je voudrais vous dire que aujourd'hui, nous sommes dans un processus. Si vous trouvez que sortez de ça, Kadien ne va pas. Où est le problème? On ne peut pas les amener par la force. D'autres partis politiques n'iront pas. Des gens ont gosillé dans ce pays. Ils ont fait des grèves de la faim, patati. Mais finalement, tout le monde a compris qu'ils ont faim. C'est pour cela qu'ils faisaient ça. Tout le monde attendait l'argent de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora également ouvre les yeux. Je dis que maintenant, nous nourrissons des chômeurs patentés qui prennent le chemin le plus facile dans leur vie. Mais il y a beaucoup d'embûches en politique. Vous comprenez? Ça dit que Miao non sérieux, qui est le Miao va aimer. Fabre n'est pas sérieux, il n'est pas sage, c'est un voyou de grand chemin. Un brigand faurien, à Foucault et Clochard. Il n'a qu'à. Je suis député. Je suis député en exercice. Nous ne sommes pas illégaux. La Constitution dit que nous restons en fonction jusqu'à l'élection de nos remplaçants. Je serai le premier à embrasser l'homme de l'ANC qui va me battre. Et dire, bonne chance, cher ami, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais vous, vous avez fait des débordements deux fois. 9 mois pour une fois. 7 mois pour une fois. Et ils n'ont pas fait tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons fini notre mandat, s'il vous plaît, le 8 janvier 2024. Et les gens sont là, ils vont dans tous les sens. Même des juristes, bon, c'est vrai, certains pas mieux. Il y a un chef de parti, il fait pitié, il dit qu'il est avocat. Mais il fait pitié. S'il pouvait aller bien à l'école, il n'allait pas faire capacité en droit pour être ce qu'il est aujourd'hui. Mais je le comprends, moi, il n'est pas insulté. On veut les amener, j'aime les amener. Bon, parce que quand vous m'attaquez là, vous aurez la réponse, évidemment. J'ai dit, ces gens-là, si ça muse, nous allons porter plainte contre eux. Ils vont apporter la preuve de là où ils ont eu le projet de loi présenté par le gouvernement au bureau de l'Assemblée et c'est descendu maintenant en commission des lois. Ils vont nous dire où ils ont eu le dossier qui modifie la Constitution togolaise de 5 à 7 ans. Regardez-moi ça. Il y a les radicaux, il y a les modérés, il y a les libéraux, il y a tout ce que vous voulez. Et il y a les centristes. Je ne vais jamais suivre cette imbécile-là. Regardez-moi ça. Des clochards comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, ces gens-là? Personne ne va accepter qu'ils continuent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'ils arrêtent immédiatement. J'ai parlé tout à l'heure de porter plainte. Ils peuvent affronter 91 députés. C'est deux venus de nulle part là. C'est quoi on appelle Fabre Jean-Pierre? C'est quoi on appelle Adamago Brigitte? Ça, c'est une femme, ça? Mais dis donc, il faut nous respecter. Il faut. Elle me connaît, hein, cette femme-là. Il faut nous respecter. Elle peut faire ça avec les. Elle a accusé à son temps des gens qui ont triché à l'université, alors qu'elle-même, elle vendait les épreuves également à ses amants. Merde alors! Elle veut qu'on parle. Si nous ne parlons pas, moi je refuse qu'on colle mon nom à ces faussetés-là. Je ne veux pas boire de cette eau-là. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de surtout partager cette vidéo avec les frères, les soeurs, les amis et tous les gars. Les gars, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu des vidéos circuler sur la toile parlant du changement de régime? Puisque c'est. Ça mélange maintenant, puisque Abbas Kabwa dit que les députés, je parle de Jean-Pierre Fabre et Adamago Brigitte, n'ont aucune certitude, mais ils affirment une modification ou bien un changement de. Une modification de notre constitution. Les gars, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait l'honorable Djeri Tama qui avait aussi parlé de ça.
d'une révision de notre constitution. Mais Ploma, il dit, c'est confidentiel. Il avait fait des publications sur ça, puisque les gens affichaient son image en disant que non, c'est l'un des députés qui ne veulent pas que son Excellence Faure Sodinome Nyasimbe quitte le pouvoir. Et il a fait une sortie pour expliquer tout que non, en fait, pour le moment, c'est confidentiel. Donc, à un moment arrivé, il peut sortir et dire tout ce qu'il pense de cette révision ou bien changement de régime. On ne sait pas pour le moment. Et il y a aussi un membre d'ANC qui a fait une vidéo qui dit non, que on a changé du régime. On a proposé un nouveau régime, c'est-à-dire un régime parlementaire. On était dans un régime présidentiel, maintenant on tend vers un régime parlementaire. On ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux, mais il y a aussi un journaliste de la New World TV qui avait aussi parlé de ça, d'un changement de régime. Donc Abbas Kabou a dit non, les deux députés n'ont aucune certitude, mais ils affirment qu'il y a une modification de notre constitution et tout les gars. Donc, on est mélangé. On est mélangé. On est mélangé, les gars. Vous avez dans les commentaires, on va voir. Je ne sais pas si vous avez aussi regardé une vidéo quelque part qui parle de autre chose que ce que je viens de dire, puisque tout est mélangé. Celui-ci dit A, l'autre dit B, l'autre dit C, l'autre dit D. Tous les jours, on a de nouvelles versions. On a des nouvelles versions de cette affaire de constitution, élection et tout, les gars. Donc, vous avez dans les commentaires. Il y a déjà une vidéo que j'ai même publiée. Vous pouvez aller regarder ça. C'est déjà sorti. Il y a un monsieur qui parlait. Il a même lu les choses pour confirmer que effectivement on a changé du régime. Nous sommes maintenant à un régime parlementaire. Mais le texte est au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas encore adopté. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Donc, c'est un peu mélangé, quoi. C'est un peu mélangé. Et ce que moi j'aimerais dire que quoi, changement de régime, peut-être personnellement, moi ça m'importe peu. Ce que moi je souhaiterais, c'est l'emploi, quoi. L'emploi, la jeunesse, l'amélioration des conditions de vie. Imaginez par exemple un pays comme l'Angleterre, un pays comme l'Italie, même s'ils ont ils ont un système parlementaire, les gens sont mieux là-bas. Les gens sont mieux là-bas. Prenez la France par exemple, bien que même c'est un régime présidentiel. On parle de sans-papiers qui sont traités à l'hôpital, même s'ils n'ont pas l'argent. Mais chez nous, ici, par exemple, tu peux être togolais 100%. Si tu n'as pas l'argent, on ne va même pas te traiter à l'hôpital. Si on pouvait aller vers un régime parlementaire et on peut avoir des conditions favorables à tout le monde, les gars, où est le souci? Où est le souci? Parlementaire ou présidentiel, ce que moi je souhaiterais pour mon pays, c'est l'amélioration des conditions de vie, l'emploi, ou la vie, l'emploi, à la jeunesse et tout. Sinon, changement de régime ou pas changement de régime, moi ça m'importe peu. On veut le changement du côté de la population, les gars. Merci beaucoup et on se capte à la prochaine vidéo, les gars.